dans les épisodes précédents. Intéressant. Désolé, j'étais plongé dans un livre. Waouh, la veste jaune du professeur Chen, incroyable. Désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde de Pokémon. Mon nom est Chen, mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Tu débutes tout juste ton aventure, je me trompe. Laisse-moi tout d'abord t'enseigner les bases de ce monde. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Quel est mon nom? Eh bien... c'est évidemment Vladine. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Hein. On avait un nombre de caractère modéré. Tu t'appelles Vladine? Tu pourrais y aller à ma place? Non, ah, je dis oui. Je sais pas comment je préfère cette machine. Alors, touche la Pokéball pour en connaître le contenu. Bon, en vrai, le starter, comme on n'a pas le droit d'en servir, ça va pas trop changer, mais ça va changer par contre celui que va choisir le rival. Oui. Hérissant, donc ça, ça lui donnera Kaminus. Bon, en vrai, je sais pas du tout comment son équipe est constituée par rapport à celle de la génération 2. Donc on va prendre au pif. Je vais prendre Hérissant, tiens, parce que j'ai très peu joué avec Hérissant à l'époque. À lui mettre une fois, deux fois. Ah. Bigre. Mon écran tactile est totalement flingué. Comment ça va, Miguel? Allez, allumette les Hérissambrettes. Donnons allumette, oui. Ah, j'allais oublier. Oula, je suis le Pokébateau, ce que j'avais envoyé à réparer. Tiens. Ouais, donc vieille teubée, quoi. Bah, le mien est agressif. Que de faire allumette? Trop cool le Kaminus. Bon, on va juste lui taper dans la gueule, hein. J'y arrive. Commencez par ça si on voulait le faire. En fait, en théorie, je voulais d'abord voir le coup en 5 coups. Et bim! Quelle victoire éclatante pour Allumette. On revient. Bon, du coup, je sais pas encore si on va le garder ou pas. Embrouillard, ok. Passant garçon. What? Comme Nicolas. Ah! Ça me plaît bien. Mais du coup, est-ce qu'on lui tente une voix à la Sarkozy? Est-ce qu'on fait un errata sur sa voix pour tenter une imitation de Sarkozy en live que j'ai jamais faite avant? Ça me plaît. Let's go. Il n'est pas agressif. Il est Sarkozy. Ouais. Le solo ratata ratatac a été beaucoup plus facile que celui de Simularbre, pour comparaison. Allez, on va lâcher Barbara. Et c'est validé. Je pense qu'il pourra servir un petit peu sur Albert, par exemple. Mais il me semble avoir vu qu'Albert n'a plus l'attaque sol. Ouais, j'ai acheté 10 potions. Enfin, jusqu'à en avoir 10. Oui. Du coup, Pierre. Bah, Pierre, c'est un prénom masculin. Qui est très descriptif de sa personnalité.
Donc vamos. Je ne sais plus. Francis! Francis Scout et son chelivre niveau 2. Vas-y Pierre, fais-nous rêver! S'il évacue sa frustration en me crachant à la gueule. Pas correct ça, pas correct du tout. Donc Osef. Et nous voici arrivés à Mauville. Oh là là. C'est parti. Oh, une vieille. Raconte que les piliers centrales de la tour étaient à l'origine d'un chétifleur haut de 30 mètres. J'avoue que j'ai pas trop fait gaffe, j'ai pas passé beaucoup de temps sur l'écran du nom. Allez. Yes. Est-ce qu'il y a un autre fantôme qui s'appelle Nick? J'ai battu Sage Brien. Mais qu'est-ce que vous avez? Barbara. Va tout à fait la sortir des ennuis. Fini le combat. La puissance est réelle. Comme promis, voici ta CT. Toutefois, tu devrais traiter des Pokémon avec davantage d'égards. Tu es bien trop âpre au combat. Les Pokémon ne sont pas des armes. Oh là là. Alors, attends, comment fait Sarkozy déjà? Bah, ça ne me surprend pas. Ne n'est quand même pas me faire battre par quelqu'un qui raconte qu'il faut être gentil avec ses Pokémon. Et je ne sais pas quelles âneries. Je ne m'intéresse qu'aux Pokémon capables de gagner. Je me fiche les autres. Bon, on va progresser au fil des rencontres. Hein. Sur les premiers. Ah, bah oui, si tu as des devoirs conjugaux. Oh là là, ils ont tout changé. Et après... Ah ouais, notre enfer, on peut du tout. Ça éliminait bien sûr le farm. En revanche, boule armure, ça va avoir le coup, je pense. Je pense que boule armure, c'est worth. Pardon. Ah! Ah ouais? Ah merde! Ouais, tu vois, c'est encore le thinking génération 2. Du coup, j'ai complètement envoyé mon combat aux chiottes. On va envoyer Allumette et faire brouillard. Espérer pouvoir en tanker un petit peu. Ah, mais il a regard vif. Terrible. Ah, je me fais complètement mettre à l'amende. Si Tornade est effectivement spécial, ce que je vais vérifier tout de suite... Champion Albert. Ok, ça rentre. Let's go. Ah ok, on approche les pierres, bon. Du coup, c'est plus facile. On va oublier quoi, lance-boue, ça rend de la merde, hein. Tac. Bon, du coup, on va quand même switcher au switch pour des raisons évidentes de précision. En vrai, j'ai limite envie d'essayer sans Gepierre pour voir si ma strat pouvait marcher telle qu'elle. C'est quoi, on va essayer sans et on fera Gepierre quand on va venir au cours. C'est mon petit challenge perso. Voilà, je devrais du coup tanker une deuxième tornade. Et avec deux gros yeux, c'est possible que... Et la résistance au zip vol, c'est possible que Charge puisse juste faire le taf sur Pierre. Et on peut même essayer sur le... Pour maximiser les chances de la première strat. De mettre une hypnose.
Ce qui aurait en plus l'avantage, si ça rentre, de pouvoir mettre quelques points d'XP sur Nick. Un switcher maintenant. Grâce au sommeil. Let's go! Oh là là, Pierre super content! C'est quand même pas une dinguerie. On va voir si ça rentre quand même. Sérieux. Heureusement, il dort longtemps. Mes ailes sont encore vigoureuses. Alors, voyons combien je prends sur tornade. Waouh, le petit crit. Je peux crit moi aussi, non? Au pire, même si on perd Pierre maintenant, Barbara pourra finir. Et c'est le second try. Juste le premier try où on était au courant des éléments de base du combat. Nice! Et Nick qui monte niveau 11. C'est parfait. Attaque spéciale 30. Peut-être qu'un jour il pourra prendre les attaques. Oui. C'est une femelle. Une femelle dont il va servir principalement à couper. Vous savez comment l'appeler, hein? Please. Et en plus, ça rentre pile, Paul. C'était exprès. Disponible. Ça pourra servir. Il est juste naze dans l'early game. Mais tu vas avoir de l'XP, donc ça... En vrai, on pourrait baisser un peu ses points de vie. Hein. Allez, c'est parti. Éviter de gaspiller trop de Pokéball et de se faire niquer la gueule. Plus si on paralyse, ça va rester. Je sais pas si on peut le paralyser vu qu'il est type électrique. Je sais pas comment ça marche dans ce jeu-là, ce genre d'immunité. Au statut. C'est moi que j'ai paralysé. Incroyable. Bon, ok, on va le rendormir. Et ce coup-ci, la capture devrait passer, j'espère. Mon attaque est déjà au pire possible. Terrible. Terrible. Ok. Allez. Ça rentre. Bim. Quel enfer. Quel enfer. Sa toison pousse constamment. En été, même tondu, sa laine repousse en moins d'une semaine. Et du coup, on va évidemment lui donner le nom merveilleux de... Allez, tu peux le faire. De Lena situation. Toi-même, tu sais. Et elle pourra intégrer l'équipe au plus vite. Que dirais-tu de triandise pleine de bons éléments nutritifs? Je te fais un prix. 1 million! T'as pas assez d'argent.
Allez. Ah. Joe, quelle emmerde. Arrêtez. Bon, bah du coup, les 10 minutes ont passé sur ce combat tout seul. Pitié. Ah non, pas encore des jets de sable, stop, wesh. Pitié, mais arrêtez. Oh, mais stop, quelle antiquinerie. Je vous cache pas que j'ai légèrement envie de mourir. Quel enfer. Ok. Eh ben, c'était l'enfer. Oh là, il y a eu une extension déjà. Crash Shuffle Luigi, je t'ai bien défoncé. Ici là. Qui monte, qui monte, qui monte. Abelard. J'ai battu. Allez, c'est le dernier, c'est le dernier. Un réveil. Et nous quittons les caves jumelles.